Good morning, ladies and gentlemen of Ballet International. First of all, Happy New Year to everyone. This is our new interview with a special guest. Her name is Madame Floriane Blitz. She is working in France. She has been a great ballerina, and now she is a great ballet teacher, and she will have her say and explain the up and downs of each different challenges of her career, either as a ballerina and either as a teacher. Now, she has asked me this great favor to make the interview in French instead of English. So I have said, okay, let's do it in French. So, mesdames, messieurs du Ballet International, bonne année, c'est notre première interview de l'année 2024. En ligne, nous avons madame Floriane Blitz, qui a été une grande danseuse professionnelle et qui maintenant est un grand professeur de danse qui travaille en France. Bonjour madame. Bonjour, et je souhaite également à tous vos abonnés une très très belle année avec beaucoup de danse, bien évidemment. Beaucoup de succès de danse. Voilà. Je peux vous appeler directement Floriane ou... Bien évidemment, bien sûr, bien sûr. Alors, Floriane, comment est-ce que vous avez développé l'amour et la passion de la danse quand vous étiez toute jeune et comment vous avez commencé vos premiers cours et qui était dans votre famille la personne qui vous a, disons, influencé à, et, ou encouragé à vouloir étudier la danse? Alors en fait, personne ne m'a encouragé à étudier la danse dans ma famille. Ça a été un coup de foudre. Tout simplement parce que ma sœur, elle, qui était plus âgée de 3 ans, de 3 années plus âgée que moi, prenait des cours de danse. Mais moi, j'étais trop petite. Donc, maman m'emmenait pour assister aux cours. Et à l'époque, c'était une... Enfin, maman avait décidé que ma sœur fasse des cours de danse, mais avec quand même quelqu'un de très sérieux, que ce soit fait très sérieusement. Et c'était donc par une grande dame, Suzanne Sarabel, qui était professeure à l'époque à l'Opéra de Paris aussi. Wow. Et elle avait un cours qui était amateur à l'extérieur quand même, elle avait gardé ça. Donc vous avez donc, commencé, vous avez voilà, commencé directement à l'opéra ou bien, enfin, à non, la non, non, non. Ou... En fait, j'assistais au cours et j'étais sur les genoux de maman. Et un beau jour, en regardant ma sœur, je me suis levée, je traversais la salle, j'ai regardé le professeur qui était un peu de style Mademoiselle Chauviré, qui me regarde. Tout le monde s'arrête, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Et je regarde le professeur et je dis, Madame, je veux danser. Et voilà. De ce jour-là, j'ai demandé une réunion familiale, toute petite, j'avais à peine 6 ans et demi, quoi. Et j'ai dit, voilà, je veux être danseuse et je serai danseuse. Alors voilà, donc, mais évidemment, mes parents ont attendu de voir si c'était, si ça allait continuer la passion. Et j'ai demandé à rentrer à l'opéra. Et je suis rentrée à l'opéra à 9 ans. Donc, c'est vraiment moi qui l'ai décidé en demandant vraiment la réunion pour prévenir tout le monde. Voilà. Vous étiez bien décidé, fortement décidé. Totalement déterminée. J'ai eu un coup de foudre. Et alors, vous avez commencé, naturellement, comment, dans toutes les académies de danse, à l'âge de 9-10 ans, mais vous avez commencé à l'âge de 9 ans. J'ai commencé à 7 ans avec ce professeur à l'extérieur, oui. qui oui. m'a dit c'est un petit peu tôt, il faut qu'on voit d'abord si tu vas garder cette flamme, oui. et puis il faut que je te prépare, et on verra. Donc à 7 ans, j'ai commencé avec elle, et à 9 ans, je suis rentrée à l'opéra. Voilà, pendant ces 2 ans de formation avec ce professeur, est-ce que vous avez trouvé des difficultés, soit sur le côté technique, soit sur le côté d'être accepté dans l'ambiance, ou je sais pas, est-ce que vous vous sentiez bien à l'aise pendant les cours?
Je me sentais très, très à l'aise parce que j'avais un professeur très, très bienveillant. Et vraiment, elle a été formidable parce que c'était un cours qui était quand même encore amateur, mais Oui. elle me mettait sous cloche et elle m'observait et avec beaucoup de bienveillance. Donc j'ai vraiment démarré de manière Oui. Et quand... sereine et sans problème. Oui. Et puis quand vous êtes rentré à l'Académie de danse à l'Opéra de Paris, vous aviez toujours le même professeur? J'avais toujours le même professeur à l'extérieur. Oui. Alors, normalement, on n'avait pas trop le droit de prendre des cours à l'extérieur, mais tout le monde le faisait, hein, je l'avoue. On allait un petit peu faire le point à l'extérieur. Et puis, ça nous faisait du bien parce que c'était quand même, comme on dit, une maman de la danse. Oui. Et l'opéra était quand même très, très difficile pour une enfant. On se rendait bien vite compte de l'enjeu. Oui. Et tous les ans, il y avait des examens. C'était quand même très, très difficile. Oui. Il fallait être dans les meilleurs, il fallait travailler. On avait très vite conscience de cet engagement et de Donc, ce challenge qui, à l'arrivée en fin d'année, de oui. pouvoir être, de ne pas rester à l'opéra, quoi. Donc, Et ça faisait du bien de voir son professeur à l'extérieur. chaque année, vous deviez passer un examen, alors. Tout à fait. Tout était remis en question chaque année. Mais c'était quoi, un examen seulement technique ou aussi physique, Tout. médical? Il y avait un examen médical, pratiquement, d'après mes souvenirs, parce que c'est quand même assez lointain, pratiquement tous les mois ou tous les 2 mois, je ne sais plus, on avait un examen médical qui nous surveillait le poids, enfin tout, quoi. On voyait un médecin de l'opéra. Oui. Et puis, il y avait tout un dossier, un suivi sur chaque élève, hein, et Oui. un examen final que l'on passait sur une scène qui était sous les toits de l'opéra, Oui. qui ressemblait, enfin qui était exactement la réplique de la scène de l'opéra, et avec un jury évidemment, et la petite cloche qui sonne. Et tous les ans, oui, c'était remis en question. Donc quand vous avez participé à certains spectacles, c'était tout de suite ou vous avez attendu quelques Alors, années? oui, alors j'ai eu une première directrice qui s'appelait Geneviève Guillot au tout début, parce que moi je suis rentrée en 70 et il n'y avait pas encore de spectacle de l'école de danse. Et c'est Mademoiselle Bessy qui est arrivée, qui a commencé à créer. J'ai fait les premiers spectacles de l'école de danse de l'opéra avec le fameux concerto en ré créé par Mademoiselle Bessy. Et il y avait donc différents chorégraphes et on a voilà j'ai commencé les premiers spectacles de l'opéra. Alors ce qu'on faisait aussi quand même qui était incroyable, c'est qu'en tant que petit rat, on participait à des spectacles avec le corps de ballet. Enfin plus tard, ça c'était un peu plus tard, pas toute petite petite, on pouvait faire si les petits pages à l'adolescence dans Gisèle, il y avait des petits pages. On faisait, moi j'ai fait quand j'étais un peu plus grande, j'ai fait une sylphide, mais juste une sylphide figurante. Alors là, c'était extraordinaire. On faisait le défilé de l'Opéra de Paris tous les ans. Et alors, je reculais d'une ligne chaque année parce que je grandissais. J'étais dans les premières lignes, et puis après, mais ça, c'était magique, magique. Ça a été extraordinaire. Ben Et oui, on côtoyait. ça donne une expérience déjà Tout de suite. tout de suite Et lorsqu'on cette grande participe. scène, ce public. Oui. Et ce qui était extraordinaire aussi, c'est qu'on côtoyait. Alors, moi, j'ai connu l'école de danse à l'opéra, dans l'opéra, à Garnier. Maintenant, il y a l'école de danse à Nanterre. Et là, c'était vraiment extraordinaire. Parce que dans les couloirs, on croisait les étoiles, le corps de ballet. On avait nos petites mères, nos petits pères, etc. Donc, on était en permanence baignés. Et en plus de ça, c'était l'opéra, quoi. Donc on Oui, fouinait, c'est le théâtre, le fameux oh théâtre. là là, c'était incroyable. Le théâtre en lui-même, il a une vie spéciale. Moi, c'est sans regret, hein. Malgré les très beaux studios de Nanterre, ils ont des studios incroyablement modernes et tout. Mais moi, franchement, c'est sans regret d'avoir. Je revenais un peu sale le soir parce que c'était pas très propre, hein, tous les studios. Mais voilà. Il y avait tous les murs parlaient et puis on rencontrait tous les danseurs. C'était Oui. formidable. On regardait des fois à travers une porte, on voyait une répétition. Enfin, c'était Oui. formidable. Et alors, lorsque vous avez participé à, disons, vous étiez sur les planches de la scène du théâtre de l'Opéra,
Est-ce que vous vous sentiez un petit peu dépaysé sur cette scène qui est légèrement inclinée? Non, parce que nous étions habitués. Les studios de l'opéra, moi j'ai vécu, on avait tous les studios étaient inclinés. Donc en fait, ça nous paraissait totalement normal. C'est le jour où plus tard, beaucoup plus tard, quand je suis revenue à Paris, que j'ai eu les, enfin, quand je, ou que j'ai connu d'autres studios et que tout ça a changé, que je trouvais ça bizarre d'être sur un studio Studio qui droit. était Et, droit, oui. oui, je Oui. trouve ça vraiment, c'est bizarre, c'est. Et j'avais pris conscience, en fait. J'en avais même pas conscience, en fait, Oui. que c'était incliné. On était habitués. C'était comme ça. Oui. Oui, lorsqu'on est habitué, mais quand c'est le contraire, qu'on n'est pas habitué, Voilà. il y Donc, a moi, c'était quand même l'inverse. un... Oui. Et parce qu'il y a beaucoup de danseurs qui sont habitués à... Bon, ils sont formés avec des studios qui sont plats. Et puis, Oui. ils vont sur des scènes, des vieux théâtres avec Tout des à fait. À l'italienne, inclinés. oui, c'est Ils se tout sentent un à fait. petit peu dépaysés, surtout dans les pirouettes, dans les grands tours. Bien sûr, se tenir plus. Oui, mais non, moi j'étais tellement habituée à ça tout de suite, Oui. toute petite, parce que les studios, c'était les répliques, quoi, c'était comme ça. Vous avez eu la chance d'avoir une des plus grandes artistes que j'adore. Madame Bessy. Oui. Vraiment, j'adore. J'adore parce Et que c'est vraiment que une nous appelions étoile. Mademoiselle Bessie. Mademoiselle Bessy. Dans la danse, il y a une tradition. En Oui. France, c'est toutes les danseuses, quelles qu'elles soient, c'était Mademoiselle. Mademoiselle Bessie et c'est toujours Mademoiselle Bessie. Ah, non, je pense qu'elle a dépassé 90 ans, non? Oui, mais voilà, je Elle l'ai se porte. croisée il n'y a pas si longtemps que Elle ça se avec porte le. très bien, elle se porte très bien. Elle est formidable, elle est incroyable. Puis elle a une force de caractère. Elle émane de quelque chose que c'est vraiment, c'est comme une vitamine pour le danseur. C'est incroyable. Et tout ce qu'elle a fait pour l'école de danse, elle a transformé l'école de danse, elle a modernisé, nous a mis des cours de mime, de caractère, de variations, les spectacles. Ça a été une révolution incroyable. Puis elle a fait Nanterre, l'école de danse aussi. Hein. Oui, grâce à elle, C'est incroyable. elle a créé beaucoup de choses, beaucoup de nouvelles branches dans la danse. Et Oui. c'est ça qui a, disons, développé en mieux le style de la danse en France. Tout à fait. Ah oui, ça a été une vraie révolution à l'opéra, hein, Oui, pour l'école. oui. Et voilà. Alors, vous qui avez travaillé avec Madame Bessy, comment est-ce qu'elle était pendant les cours? Comment est-ce qu'elle était pendant la répétition? Comment est-ce qu'elle était? Qu'est-ce qu'elle vous disait avant les cours, avant les répétitions, ou avant les examens, ou après les examens? Quel genre de caractère elle avait Oui, alors en fait, je ne l'ai pas eu vraiment directement en cours parce que c'était notre directrice. Oui. Donc elle était surtout là pour chapeauter, pour passer voir un extrait de cours, pour nous diriger pendant certaines répétitions avec comment dire, les spectacles. Puis elle a créé le concerto en ré parce qu'elle a chorégraphié aussi. Oui. Alors, je l'avais pas tous les jours en cours parce que j'ai eu tous les professeurs de l'école de danse chaque année différents. Mais elle était, bon, elle était très cash, très vivante, et très cash, très directe. Elle nous disait les choses, c'était assez. Mais en même temps, bon, ben, au départ, on était un petit peu. On avait peur, quoi. On était un petit peu terrorisés quand même, parce qu'on était tellement conscients que notre place valait très, très cher, qu'on était assez. À l'époque, quand même assez terrorisée rapidement, quand même. Hein. Surtout qu'elle avait une voix, elle était très assurée. Et puis alors, Oui, voilà. Bon, mais bien sûr que c'était il y très avait de la déterminé comme bienveillance. Voilà, elle voulait vraiment qu'on arrive, elle voulait qu'on avance, et elle avait beaucoup de bienveillance derrière. Mais ça, évidemment, quand on est tout petit, qu'on a 9 ans, 10 ans, et qu'on, alors c'était, fallait, c'était pas facile. Ben, comme disait ma mère, dans la danse, il faut avoir un gant, mais avoir une poignée de fer. Donc, je Oui, pense que absolument. Et c'est voilà. ça.
Et elle avait tout à fait raison, parce que ça nous a porté, c'est voilà. Mais alors évidemment, nous on avait peur un petit peu, quoi. Mais après, au fur et à mesure des années, on a compris à quel point c'était très bienveillant et c'était important, effectivement. La main de fer dans un gant de velours. Voilà. Et donc, vous avez dansé dans toutes les différentes chorégraphies de l'opéra. Alors, enfin, moi, j'ai pas fait le corps de ballet. Hein. J'ai fait l'école. Hein. Après, quand j'ai eu 17 ans, alors j'ai fait évidemment les spectacles de l'école, jeux d'enfants, tout ça, enfin le concerto en ré, et voilà. Mais après, quand je suis arrivée dans la classe, la première division, j'ai doublé deux fois. Donc, je suis restée sept années à l'école de danse. Donc, j'ai vraiment reçu comment dire. L'école française. J'en suis très imprégnée parce que j'étais à chaque fois trop jeune, donc j'ai doublé deux classes. Et quand je suis arrivée dans la première division, c'est-à-dire la dernière division, l'époque où il y avait ben, des étoiles d'aujourd'hui, enfin, non pas d'aujourd'hui, j'exagère, mais qui sont professeurs maintenant à l'école de danse, toute l'époque de Pietra Gala, enfin, on était à l'école ensemble, Platel, on était à l'école ensemble dans la division de Mademoiselle Vossard. Là, évidemment, il y avait très peu de place pour entrer dans le corps de ballet. Alors donc, malheureusement, je n'ai pas eu cette place-là. Donc, il a fallu que voilà, je parte. Et donc, à l'époque, Monsieur Jean Sarelli, qui était maître de ballet de l'Opéra de Paris, donc du ballet, a monté sa propre compagnie au Ballet du Rhin. Et du coup, à 17 ans et demi, j'ai signé mon premier contrat au Ballet du Rhin. Voilà. Vous aviez quand même Avec. quelqu'un qui travaillait à l'opéra, mais qui avait sa propre compagnie. À fait. Et j'étais engagée là-bas tout de suite. Et combien d'années vous avez Voilà. travaillé avec dans sa vie? Alors là, que je me rappelle, 2 ans à peu près. 2 ans. Bon, j'avoue que la fin, en fait, j'ai démissionné. J'ai démissionné parce que j'ai voulu faire Varna. Vous savez, le concours Varna. Et il n'a pas du tout, du tout, du tout été content de ça. Et donc, ça a été très, très dur le rapport à ce moment-là. Et j'ai préféré partir. Parce qu'il n'a pas du tout, du tout accepté que je fasse Varna sans. Voilà. Ça lui a pas plu. Donc, voilà. Parfois les professeurs de danse ou les directeurs de danse sont Garde un peu jaloux, oui, voilà, de garde, manière un oui, ils sont un peu, petit peu voilà. jaloux de leurs danseurs. Donc, j'ai choisi de partir. Donc après, vous avez dansé dans d'autres compagnies, alors. Alors après, je suis restée de nouveau à Paris et j'ai choisi de faire pas mal de galas, de scènes comme ça en freelance. J'ai fait Varna, j'ai fait tout ça. Bon, j'ai pas eu le grand prix, mais enfin, c'était très intéressant parce que ça a été une belle expérience. Et après, donc, je suis restée à faire pas mal de galas. J'ai dansé le Lac des Cygnes à l'Opéra de Nice, quand même très jeune. J'ai dansé le deuxième acte avec le corps de ballet de là-bas et tout, c'était formidable. Et après, je suis repartie en compagnie, je suis partie au Ballet du Nord. Alors, c'était à l'époque une compagnie balanchinienne. Il y avait Alfonso Allez. Catta voilà, voilà. Ballet, parce que moi aussi j'ai dansé au Ballet du Nord. Ah oui. Oui, il y avait Alfonso Catta et c'était l'année 1980, si je ne me trompe pas. Alors, moi, j'ai fait l'entrée au Ballet du Nord avec 80. Margaret Torini. Il y avait, enfin. Voilà, et Margaret Torini, je l'ai connue, elle dansait. Voilà, Donc, vous voyez le monde avec de la danse? Maria Guerrero, Oui, et qui était maître de ballet. Mario, enfin tout ça. Oui, et bon, c'était beau, c'était beau, c'était. Alfonso Oui. Catta était, oui, un très bon directeur. Il était un peu spécial parce qu'il avait son caractère Oui, qui était un peu spécial. bien sûr, bien sûr. Oui, parce que ou il vous aimait tout de suite, ou si vous ne Mais rentrez pas dans ses idées,
Ils vous mettaient complètement Oui, tout à de fait. côté. Mais c'est un petit peu comme dans toutes les compagnies, hein. Ça se Bien passe sûr. la même Et chose. puis après, bah, je suis allée chez Béjart. Voilà, chez Maurice Béjart. Oui, À bon, Bruxelles. déjà. Alors, l'époque du ballet du XXe siècle, hein. C'était toute l'époque du ballet du XXe siècle. Et on n'était pas, c'était pas l'époque de Lausanne, hein. Oui. C'était Bruxelles. Oui. Et Voilà. avec Béjart, alors comment vous êtes? C'était beaucoup plus grand que Ballet du Ah Nord. oui, oh là là, c'était la grosse compagnie, là. À l'époque, c'était l'époque de la grosse compagnie, parce que maintenant, bon, c'est quand même réduit. Mais c'était vraiment. Ça a été pour moi vraiment alors une expérience incroyable qui m'a complètement ouvert l'esprit sur. Bon, déjà d'avoir eu Balanchine, enfin, le style Balanchine, c'était très Oui. intéressant de le connaître, ce qui me sert beaucoup aujourd'hui, hein, par rapport à la formation, aux élèves, de pouvoir parler tout ça. Et puis Béjart, bien sûr, cette ouverture d'esprit sur une manière de danser encore différente, plus moderne, on va dire entre guillemets, mais tout en étant classique, hein, parce que quand on dit que Béjart, c'est un contemporain, non, il n'est pas contemporain. Il y a des gens qui disent c'est du contemporain. Non, ce n'est pas du contemporain. C'est l'évolution de la danse classique. Oui. Mais voilà, on était avec les pointes aux pieds, on dansait, et puis fallait te. Tous les jours, on avait notre cours classique. Enfin bon, maintenant, bien sûr que le chorégraphe a beaucoup évolué, et c'était. Moi, j'ai adoré. J'ai Ben, adoré. il y avait de quoi apprendre avec Béjar parce que Oh là là. Et puis, les danseurs de l'époque aussi. oui. Regarder Don tous les jours, c'était la grande époque, hein, vraiment, avec des danseurs incroyables. Moi, je passais mon temps même à l'observer dans les coulisses quand il dansait le boléro. J'étais tous les soirs dans les coulisses pour le regarder, pour voir ce lion sur scène. C'était extraordinaire. Et puis toutes les tournées, on partait 8 mois en tournée, enfin, c'était incroyable. Ça a été pour des jeunes. Vous avez eu une grande chance de pouvoir travailler avec Oui. tous ces grands artistes. Parce que Oui. cette chance n'est pas donnée à tout le monde. Oui, c'est vrai, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance. J'ai eu la chance de côtoyer Liffard aussi, puisqu'il m'a fait travailler la variation des mirages. J'ai travaillé avec Yvette Chauviré. J'ai eu beaucoup de chance aussi en cours, hein, pour progresser au niveau de la technique. Je voulais tout le temps progresser. Je cherchais toujours avec Attilio Labis, avec tous ces grands professeurs exceptionnels. Jennifer, comment est-ce qu'il était comme professeur et comme chorégraphe? Oh, c'était incroyable. Sur Mirage, la variation des Mirages, il faisait dans le studio, il était comme un fou, il se lançait partout, je n'avais qu'à le regarder et voler ce qu'il faisait, quoi, en fait. Je captais, je le regardais et il était là en train de faire les gestes de la variation. Mais incroyable, il était c'est habité d'une manière exceptionnelle, quoi. Je reconnais avoir une chance exceptionnelle, enfin incroyable d'avoir travaillé en liaison directe avec ces personnes-là. Parce que même Mademoiselle Chauviré. Yvette Chauviré, j'ai vu quelques vidéos pendant qu'elle était en train de corriger quelques solistes, Dominique vu. Calfoni, enfin, et Oui, d'autres, voilà. oui. Et Et ouais. je regarde souvent parce que ça me sert pour moi aussi. Parce que Bien sûr. les corrections qu'elle applique sur les danseurs me servent à moi aussi. Quand je dois expliquer quelque chose à des élèves ou à d'autres danseurs. Donc, Et ce qui était, hein, oui, ah oui, mais bien sûr, voilà, rien qu'en regardant, et c'est ça, moi je me souviens de son regard. Je me souviens de ses styles. J'observais son regard filtrant, cette manière de filtrer son regard. Mais c'était la voir, l'observer, c'était déjà quelque chose. oui. C'était déjà un cours de la regarder. Oui. Alors évidemment, les corrections, mais c'est quelle époque C'était incroyable. une époque. C'était une époque. Nous avons été choyés, je pense. Avec des grands maîtres, oui. Oui, parce que ce sont des grands maîtres qui, Oh. malheureusement, n'existent plus. Il y en aura d'autres, sûrement, mais je Bien pense sûr. pas que les nouvelles générations arriveront
à se mettre au même niveau que les vieilles générations. Je pense pas. Et Mademoiselle Vossard, moi, m'a donné. C'est un des professeurs de l'opéra qui m'a aussi énormément marqué parce que toute cette technique du bas de jambe, très français aussi, enfin, même si ça vient des Italiens, mais je veux dire, la rapidité du bas de jambe, ces petits pas, mais on sortait de ces cours où j'ai passé 2 ans, 2 ans de tous les jours, mais on avait quand même une technique solide, hein. Avec toute cette rapidité, les petites batteries, les petits pas de pointe, mais c'est Surtout un régal. le travail des pointes qui était vraiment. C'est de la dentelle, c'est. Oui, c'est vraiment spécial. C'est vraiment spécial. Oui. Quand on l'explique comme ça dans un interview, ce n'est pas la même chose que lorsqu'on le fait pendant le cours. Tout à fait. Et Oui, moi, je dis toujours à mes élèves, j'en parle tout le temps, je parle tout le temps de ces professeurs. Et elle avait des expressions, elle me disait, de l'humour dans le bas de jambe, de l'humour dans le bas de jambe, faut mettre de l'humour dans le bas de jambe. Je dis, et c'est tellement ça, c'est extraordinaire. Oui. Et maintenant, pour vos élèves, lorsque vous donnez les cours et vous parlez des grands professeurs que vous avez eus, comment est-ce que vous regardez? Avec quel œil elles vous regardent, vos élèves? Alors, Est-ce qu'elles elles ont vous regardent? compris de l'admiration. Parce que moi, je leur dis toujours, vous savez, je n'ai rien inventé. J'ai mon caractère, ma personnalité pour transmettre, mais je n'ai rien inventé. Je transmets tout ce que j'ai eu la chance d'avoir, et j'ai eu la chance d'avoir deux grands maîtres. J'ai eu vraiment deux grands maîtres. Et non seulement régulièrement, mais aussi, j'allais beaucoup dans des stages, j'allais aussi chez Rosella Hightower toutes les vacances scolaires. J'ai travaillé avec Rosella en cours particulier, j'ai travaillé à l'extérieur avec des tas de professeurs où j'allais pour me nourrir, même en stage ou peu importe où je me trouvais, aux États-Unis, j'allais. Bon, et vraiment, je leur dis, je transmets ce qu'ils m'ont donné. Moi, j'ai rien inventé. Par contre, voilà, j'essaye de vous le transmettre avec mon cœur et ma passion. Ça, oui. Et ma bienveillance, comme je dis, beaucoup d'exigences. Parce que pour moi, si vous voulez, exigence et bienveillance, ce sont deux mots qui vont totalement ensemble. Oui, Pour moi, l'exigence, c'est de la bienveillance. Voilà. Alors, elles ont beaucoup d'admiration quand même par rapport à d'avoir connu des grands maîtres et tout ça. Parce que je leur en parle beaucoup, j'explique comment ils travaillaient, comment ça se passait. Donc, ça les intéresse quand même, surtout en formation. Alors là, on creuse encore un peu plus. Ce qui parce que n'empêche pas de s'intéresser aux autres écoles. Aussi, ça les aide à, disons, à développer cet esprit de professionnalité et ça les fait rêver aussi. Voilà, et c'est tout à fait le mot, ça les fait rêver, c'est très important de nourrir un cours par des anecdotes, Oui. par des références, par Oui. des explications et toutes ces anecdotes de vie avec nos maîtres, et ça c'est formidable. Oui, ça les fait rêver, ça leur donne envie de se nourrir elles-mêmes aussi. Alors je leur dis aussi de se nourrir pas que de YouTube et tout ça. Bon, ils ont la chance de pouvoir avoir accès à beaucoup de vidéos, ça c'est sûr. Mais je dis, mais il faut aller voir des spectacles. Ça, moi, je les encourage beaucoup Oui, disons, notre époque, notre génération n'a pas eu ce luxe de YouTube. Là, il fallait Oui, c'est travailler. formidable. Oui, il fallait Mais il ne faut pas que ce soit travailler. que ça. Voilà. Alors, aujourd'hui, les jeunes ont, disons, cet outil qui leur permet de pouvoir développer aussi la technique. Parce Bien que sûr, grâce à bien YouTube sûr. et tous ces médias, toutes ces chaînes, TikTok, Instagram, YouTube, Oui. ils ont une idée du côté technique de la danse, mais qui vient aussi d'autres pays. Tout à fait. C'est très important aussi de s'ouvrir à de voir ce qui se fait partout et dans toutes les autres écoles et de voir toutes les écoles, qu'elles soient Vaganova, que ce soit l'école américaine, que ce soit Voilà. les styles différents. Tout est important et tout est intéressant. Il y a à apprendre de tout, mais chaque école.
D'ailleurs, je trouve que malheureusement, notre école française a tendance un petit peu à se perdre. Bon, ça, on en parlera peut-être, mais moi, je défends beaucoup l'école française et j'admire les autres écoles. Et quand je fais la formation diplôme d'État, je demande à mes élèves de faire un exposé. Bon, évidemment, succinct parce qu'on ne peut pas non plus, mais d'aller faire des recherches sur différentes écoles et devant les autres élèves, de nous parler un petit peu des styles différents. Parce que je trouve ça très important. Et je leur dis dans un cours, vous pouvez aussi dire, tiens, aujourd'hui, on va travailler un petit peu le style Vaganova, on va faire des bras un petit peu plus Vaganova, c'est très intéressant. On va faire des pirouettes Bournonville, on va faire. Bon, ça peut nourrir un cours, mais ça ne veut pas dire que notre école doit être oubliée. Et ça, voilà, donc je le défends beaucoup. On a une école, on est une école française, il faut aussi qu'elle reste parce que le propre de notre école, c'est la transmission orale. Oui, voilà. Toutes les autres écoles sont écrites. Oui. Donc on garde des écrits et ça ne se perd pas. Oui. Nous, ça devient un peu comme ça, les noms des pas. Or, les noms des pas sont français. Je pense que l'école française devrait essayer de commencer un petit peu à écrire les choses. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Parce que, mettons le cas Oui. qu'un jour il y ait vraiment une grande crise et Oui, ça va. qu'on n'arrive pas à passer aux nouvelles générations ce que Oui. dans la danse nous a appris. Oui. Qu'est-ce qu'il arriverait en France? Je suis complètement d'accord avec vous. Il faut vraiment réfléchir à ça Voilà, et pas très vite. Je suis d'accord. soit des écrits sur des livres du côté technique de la danse, comment c'est développé, parce que chaque 10 ans, il y a toujours une évolution dans la technique de la danse. Tout Et à fait. en fin des comptes, on se retrouve que malgré les différents styles, Bournonville, Vaganova, style italien, style français, blablabla, quand on fait un cours de danse, la technique, c'est la technique, elle se ressemble un petit peu partout. Bien sûr. Il y a oui, des nuances, comment tenir le dos, comment tenir la tête, les bras et tout ça, les positions des bras, tout ça change, mais la technique, c'est la technique. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Alors, mais quand même, la France devrait commencer à écrire un petit peu, parce que Oui. sinon, ça se perd dans les siècles. Ça va se... Oui, Voilà. Et ça se perd. tout à fait. Et là aussi où c'est important, c'est que le nom des pas, les noms des pas sont français. Et quand j'ai souvent des étrangers, même en formation de professeurs, qui s'intéressent à l'école française. J'ai des Espagnols, j'ai eu des Polonaises, enfin de toutes sortes qui avaient fait l'école Vaganova et qui s'intéressaient à l'école française. Et quand je leur explique le mot, les mots, le sens des mots qui sont vraiment, qui ont une valeur, chaque mot a une valeur qui correspond au pas. Une glissade, ça glisse, etc. Bon, parce que maintenant, ça, les noms ont beaucoup dévié Oui. de leur sens français. Et Oui. quand je leur explique, tu vois, en français, ce mot-là, tu comprends ce qu'il veut dire. Le mot fondu, le mot coupé, un coupé, ça change de jambe. C'est pas juste à retirer à la cheville. Oui. Le mot coupé doit changer de jambe. Couper, un verbe d'action, etc. Tous ces mots-là, le mot fondu, bah, ça veut dire, on entend bien ce que ça veut dire. Oui. Et je trouve que c'est important de retrouver le sens des mots en expliquant aux élèves. Moi, je le fais beaucoup et les élèves, ça les intéresse vraiment beaucoup. Je t'ai dit, même une barre, c'est extraordinaire, une barre, la manière dont c'est construit. Ouais. C'est tellement intelligent, c'est tellement intelligent. Donc, je t'expliquais, quand vous faites un fondu, il y a le fondu développé qui n'est pas le fondu qui doit être à 45 degrés, non pas les jambes, voilà. Sinon, on fait un développé, c'est autre chose. Mais on développe, d'ailleurs, le mot développé. Donc, c'est très important pour moi de leur redonner le sens des mots et de respecter ça, parce que ça veut dire quelque chose, vraiment. Il y a Ouais. des dynamiques dans la manière de dire ces mots-là. Voilà. Un coup est jeté, on coupe et on jette.
C'est pas j'attends un retiré à la cheville. Donc sinon, c'est un retiré à la cheville ou un retiré au genou. On retire son pied du sol. On passe une jambe devant l'autre. Et tout a été un peu déformé sur les noms des pas. Et je trouve ça très important de Oui, c'est garder comme ça un quand même. petit peu comme en Angleterre, ils disent battement tendu et ou battement jeté ou bien battement Oui. fixé. Ou Que, entrelacé. ou Entrelacé, entrelacé. ben, pour moi, un entrelacé, c'est comme une natte qu'on entrelace. Hein. Oui, c'est Bon. et tout, tout. Les déboulés, les chaînés, les déboulés. Le mot déboulé veut dire quelque chose en français. C'est quelque chose de rapide. Mais bon, voilà. Donc, par contre, les étrangers que j'ai en formation s'intéressent beaucoup et comprennent bien, justement. J'ai dit, vous voyez, ce mot-là, ça veut dire ça. Ah, mais oui, un dégagé, on dégage sa jambe de l'autre. Un retiré, on retire le pied du sol, etc., etc. Donc, c'est très clair, en fait. Et est-ce que vous êtes d'accord, parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de jeunes filles, aussi des garçons, qui font des développés tout de suite, qui dépassent les 90 degrés, qui vont, puis touchent le plafond. En Et étant oui, complètement de travers. c'est un petit peu, à mon avis, un peu trop acrobatique. Comme, Je donc, suis totalement d'accord. oui, alors ça perd son charme, vous voyez, parce que Ben, vous avez. ça vulgarise un peu le mouvement. On devient plus oui, acrobatique, gymnastique, gymnique, Oui. et c'est à celui qui fera le. Oui, ça n'apporte pas C'est un un peu grand cirque. intérêt. C'est un peu cirque aussi. Parce que finalement, le mouvement devrait être vraiment au service d'une intention et d'une expression, quand Oui. même, la danse. Si c'est juste pour lever la jambe plus haut que parce que, enfin, il y a toute cette époque-là, oui. Maintenant, s'il y a une belle qualité de développer, ce fameux mot développer, avec placement et bon, sans voilà, jeter la jambe, etc., avec les hanches de travers et pour aller plus haut que ça n'apporte rien du tout, je suis d'accord. Exemple, voilà, je vous cite cet exemple à mon avis. Il se peut que je me trompe, mais on voit des vidéos, des vieux vidéos de Margot Fonteyn, où elle fait un développé à la seconde, puis elle tourne en arabesque. Bon, naturellement, son développé et son arabesque n'est pas comme celui qu'on voit dans d'autres ballerines aujourd'hui. Mais quand même, elle a une expression, une façon de le faire, une façon de. Un style qui est tout à fait particulier et qui fait de ce mouvement un bijou. Mais complètement d'accord. Moi, que je partage totalement votre avis. Voilà. Et. Et puis, vous savez, le bas de jambe, c'est très beau aussi, la qualité d'un bas de jambe, la Oui. qualité d'un fondu Oui. avec les deux genoux en même temps, avec plus de comment dire, de travailler sur comment dire, Oui, le tout, tout, tout le bas de jambe et l'en dehors et les spirales, et que de vouloir faire un fondu où on lève la jambe, non, je vois pas du tout voilà. Toute cette qualité, c'est de la dentelle, c'est magnifique. On n'a pas toujours les jambes. C'est cette dentelle qui fait partie de la technique de l'école française aussi. Tout à fait, tout à fait. Et toutes les descentes de pointe. Comme on dit, l'art de la pointe, c'est de savoir en descendre. Voilà. Je trouve ça très joli. C'est bien de monter, mais descendre avec la demi-pointe, c'est Oui. tellement beau, cette qualité de demi-pointe avec la pointe. Ah Et oui. est-ce que vous avez fait des cours avec Franchetti? Oui, beaucoup, 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 beaucoup. Quand j'ai eu une période où j'étais à Paris entre deux compagnies, j'allais tout le temps, tout le temps, tous les jours. Et alors là, pour nous, mais quel rêve! Parce qu'on était encore bien jeunes, hein, moi, vous savez, la première compagnie, c'était 17 ans. Donc de toute façon, entre deux, je suis retournée à Paris. Franchement, on voyait, il y avait toutes les étoiles qui venaient, même des compagnies qui étaient invitées à Paris, le London Festival Ballet, etc., etc. Eh bien, toutes les étoiles venaient prendre les cours chez Franchetti, le cours de 11 h, parce qu'il y avait 11 h, 13 h, 13 h, 15 h. Mais on était là tout le temps, et alors avec nos surnoms, parce que moi, il m'appelait Boldo Florine, il nous donnait tous un surnom. Alors j'étais là tous les jours à travailler avec lui, c'était extraordinaire, parce qu'il y avait lui, ses cours qui étaient tellement bien, bien organisés, Développé, oui. formidables.
Et puis les personnes qui étaient là, où on pouvait une fois de plus voler, voler, regarder, voler. Moi, voilà, un voleur d'âme. Hein. Moi, je Oui. regardais, j'observais, j'essayais de reproduire une danseuse que j'admirais. Enfin, parce qu'il y avait tout le monde qui était là. C'était incroyable. On n'a plus ça vraiment. Franchetti, c'était le genre de professeur qui, même si vous étiez affamé de la technique de la danse, il vous gardait toujours sur la fin, mais il vous gardait toujours. Il vous donnait un menu qui était entier dans sa Et classe. complètement incroyable. Et jusqu'à la fin, les filles, les pointes, les garçons, les sauts, tout était. Et il y avait une évolution. L'adage ressemblait au grand pas de pointe, etc. Au grand saut. Tout avait un sens dans son cours. Oui. Et c'était incroyablement bien fait. Oui. Ça, Là, c'est. je suis d'accord avec vous parce que c'est. Encore un maître qui m'inspire. C'est plus qu'une inspiration. C'est. Une fois de plus, c'est j'enseigne ce qu'ils m'ont enseigné, quoi. Oui. Pousse. C'est dommage que voilà, on trouve très peu de vidéos des cours de Franchetti. Il y a une cassette, il y a une vidéo, c'est tout. Oui. Une seule. C'est dommage parce que Oui. ces cours sont vraiment, Oh. quand on le voit enseigner, c'est vraiment, on dit, Incroyable. le voilà, c'est le grand maître qui enseigne. Et d'une logique, mais. Ah oui, non, non, c'est Parce que son incroyable. cours était bien construit du Très début bien jusqu'à construit, la fin. oui. Voilà, Et puis tout à fait. vous terminiez le cours avec vraiment, vous étiez bien transpiré, bien pensé. Bien. Et puis les genoux, le dos étaient bien huilés pour travailler la technique. C'était vraiment Et bien. on avait tout fait et tout était amené dès la barre. On avait tout était fait. On avait fait de la petite batterie, enfin des pirouettes, des pirouettes et des tours. Là encore un mot, pirouette, c'est un mot pour faire des pirouettes. Les tours, ce sont toutes les grandes positions. Oui. Les tours à la seconde, les tours arabesques, les tours. Voilà. Alors il nous est tout faire, quoi. Oui. On avait un cours très complet de 2 heures. C'était 2 heures le cours. Et C'était pas une heure et demie. je trouve que le cours de 2 heures est beaucoup plus enrichissant qu'un cours de 1 heure et quart. Alors oui, alors nous on fait 1 heure et demie aujourd'hui, bon, c'est à la norme, Oui. mais 2 heures, une demi-heure de plus dans un cours, c'est énorme. Énorme. Parce que ça vous permet alors de travailler, Les pointes, d'avoir les... un éventail de techniques qui est beaucoup Tout à plus fait. vaste et beaucoup plus Ah oui. riche, beaucoup plus riche, parce que vous arrivez à faire un petit peu tout. Bien sûr. Et les diagonales, et les grands sauts, et les petits sauts, et les systoles, et tout, travailler Tout tout. à fait. Alors moi, je fais toujours dans mes cours, justement, je parle beaucoup de ça, les petits sauts. Et après, je dis, on fait un moyen saut et je fais les séries. C'est-à-dire que moi, mes élèves, je les élève, si je puis dire, je les nourris de séries. Parce que ça, on oublie beaucoup. Même à l'opéra, on avait beaucoup, beaucoup de séries. Je descends, je remonte. Tout est toujours fait en remontant. Et puis parfois dans les directions. Oui. Changer de direction. Et quand on a fait un cours comme ça et qu'on a des séries comme ça qu'on explore tous les jours différentes, après, il n'y a plus qu'à, hein. Oui, parce que Travailler dans les directions, dans les. ça fait travailler Eh aussi la oui, tête, bien ça sûr. développe la tête aussi. C'est souvent, Absolument. par exemple, Mais il y lorsqu'on a de moins fait en un moins de allegro, séries. quand on fait un allegro, on le fait en allant en avant, il faut le faire en retournant. Voilà. Alors, Absolument. ce qui est plus difficile parce que il faut mettre tout à l'envers. Donc, Alors, dans les classes les plus jeunes, on fait des temps d'arrêt, puis j'explique en remontant, je le montre, je l'explique. Et les plus grands, je dis, bon, maintenant, en remontant, allez, hop, on y va. Ça, c'est à eux de faire le travail. Mais ça développe, bien sûr. lorsque vous voyez que vous avez des élèves qui ont difficulté à apprendre, disons, Oui. voilà, des allegro ou bien toutes ces séries dites. Est-ce que vous avez la patience de leur expliquer de nouveau et de nouveau et de nouveau, ou bien vous dites, bon, aujourd'hui, tu laisses tomber et tu le reprends un autre cours?
Alors, moi, je fonctionne de manière différente. Comme je les ai tous les jours, Oui. je peux. Voilà. Il y a des jours où je dissèque littéralement. Et pour moi, la pédagogie, c'est la patience. Parce que Oui. la pédagogie, c'est puis adapter. Ils n'ont pas compris quelque chose. On va peut-être amener un exercice pour différents. Voilà, c'est l'art d'adapter aussi son cours, la pédagogie. Et d'avoir la patience d'expliquer. Maintenant. Je travaille de cette manière-là. Je peux approfondir une barre ou un milieu qu'on a travaillé et disséquer, aller très loin dans les corrections, reprendre, réexpliquer le sens de ma barre ou le sens du travail que je souhaite dans tel ou tel exercice. Et je ne vais pas lâcher. Je vais refaire, refaire. Voilà, je vais vraiment rester un peu plus longtemps sur la barre aujourd'hui, un autre jour sur certains exercices qu'on a travaillés dans la semaine. Je ne change pas tous les jours en formation. Oui. En compagnie, oui, quand je donne un cours en compagnie, parce que j'ai donné des cours en compagnie, je change tous les jours. C'est un cours plus d'entraînement, bon. Oui. Mais en formation, non. Et un autre jour, en fin de semaine, je vais dire, allez, le cours, on le danse, on le file, on est un peu plus dans le mouvement que dans les arrêts, les corrections. En fait, j'alterne. Oui. J'alterne. Mais s'ils n'ont pas compris, bien sûr que je vais avoir la patience, sinon ça ne sert à rien. C'est juste pour s'agiter sans comprendre. Non. Mais voilà, j'alterne un peu. Je dis aujourd'hui, on va travailler plus ça ou ça ou ça ou ça. Et Oui. puis un autre jour, allez, on y va. On Oui, danse. c'est... Non, mais vous faites bien parce que il faut à mon avis changer. On ne peut pas faire toujours la même chose hein, dans un cours. Non, bien sûr que non. Donc. Bien sûr que non. Et aussi parce que l'élève ça, ou le danseur ou la danseuse développe son esprit émotif. Il y a une motivation aussi qui se développe. Lorsque le cours est Absolument. différent, lorsque le cours est différent, un jour, par exemple, voilà, je vous cite ce petit exemple. D'habitude, lorsque je donne le cours de danse, le lundi, le mercredi, le vendredi, c'est un cours qui est assez lourd. Enfin, pas tellement le lundi, mais surtout le mercredi, vers la fin de la semaine. Tout à fait. D'autres cours, c'est surtout pour corriger la barre, pour corriger, le milieu. Pour être un C'est peu ça. plus précieux dans les mouvements, Dans la qualité dans la plus. qualité, oui. Et puis l'autre jour, c'est les grands sauts, les grands Tout à mouvements. fait. Donc il faut varier, et aussi pour la musique, parce que moi j'aime Oh varier là là. la musique. Musique. Je ne sais pas Oh si oui, la musique. vous êtes d'accord avec moi, mais il faut que la musique aussi soit un petit peu variée. Moi, je trouve, Alors, mais à mon avis, que la musique au piano est très belle. Ça dépend du pianiste, ça dépend aussi de quelle vidéo cassette on utilise. bien Mais sûr. de temps en temps, faire quelques mouvements de danse à la barre ou au milieu avec de la musique orchestrée, ça aide aussi. Ah oui, alors moi j'ai la chance d'avoir un pianiste à tous mes cours. J'ai pas un seul cours sans pianiste. Ça, Donc c'est alors un évidemment, je peux miracle. pas. Voilà, oui, mais totalement. Et c'est ça qui est formidable, c'est de pouvoir même reprendre un exercice avec une musique différente pour trouver une dynamique différente dans la Voilà. manière de faire, musculairement parlant, etc. Donc ça, bon, évidemment, je peux pas non plus mettre un CD à la place du pianiste, puisque j'ai un pianiste tous les jours. Ma directrice nous offre ça, c'est formidable. Non, mais je trouve ça très intéressant, en tout cas, oui, de travailler. Alors, je travaille dans des ateliers pour les EAT, donc ça, on utilise plus la musique avec orchestre, bien sûr. Mais vous savez aussi, je pensais dans un cours, dans la manière justement d'organiser le cours, moi, des fois, je dis, on va faire un exercice d'adage. Donc, ça va être vraiment exercice d'adage. Et un autre jour, j'ai dit, on va faire un adage pour aller vraiment explorer l'artistique, d'aller se libérer, vraiment d'avoir toute une notion artistique dans l'adage, avec légèrement chorégraphié, et pour pouvoir se libérer aussi ce moment-là. Je trouve que c'est un moment très important dans le cours. Et bien sûr, musicalement, moi, j'ai un rapport à la musique qui...
qui est très très fort. J'ai besoin de coller à la musique, j'ai besoin de chercher la musique qui va correspondre à l'exercice. Pourquoi? Dans un exercice de préparation aux pirouettes, par exemple, j'aime souvent choisir une mazurka parce que la mazurka, c'est sur le deuxième temps fort, le temps fort est sur le deuxième temps, et que ça va leur donner le tam-palam pour avoir la tenue, encourager le corps avec la musique à tenir un peu plus sur le deuxième temps, etc. Je dis, mais écoutez la musique et servez-vous de la musique pour améliorer votre façon de danser. Et bien sûr, l'artistique aussi, bien évidemment. Mais pour moi, le travail musical, faire une petite batterie sur un 6-8 ou un deux temps binaire, c'est pas la même chose. Et soit on change de pas, soit on peut aussi faire le même pas avec une musique un peu différente, ou une valse rapide, etc., pour trouver d'autres manières de travailler ce même pas, ce qui est très intéressant d'ailleurs. Mais J'adore, moi, je suis la musique est un outil passionnée. ou une clé qui sert à développer l'expression et la technique de la danse. Bien sûr. Et Et vous aussi. savez, même dans un port de bras, moi je leur dis, un port de bras qui démarre un adage, c'est la première note qui vous pousse la première pour faire première seconde, préparation par exemple. Vous sentez la note qui... Ah, Comme vous voyez, moi ça va jusque-là, on quoi. C'est... respire, comme si on respire, il faut respirer, c'est Voilà, bah, bien impressionnant. sûr. Oui. Tout, bien Et... sûr. Et c'est la musique et la première note qui va... Je trouve ça essentiel. Parce que si vous avez des danseurs ou surtout des élèves qui n'ont pas la grande sensibilité de comprendre la musique, parce qu'il faut sentir la musique. Absolument. Il faut que la musique vraiment prenne possession de l'âme. Absolument, mais complètement. Mais Voilà. en travaillant ça, ils en ont conscience et Voilà. ils adorent ça. C'est ça que moi j'adore ce métier parce que les élèves se révèlent quoi tous les jours et on développe toutes cette sensibilité artistique. Comme je leur dis, la conscience professionnelle, eh bien c'est tout ça. Oui. C'est la conscience d'éveiller tous les jours ce travail, cette manière de travailler, la manière de poser une main sur la barre, la manière de démarrer avec la musique, d'être dans l'écoute, d'être musical, d'être dans une qualité. C'est ça la conscience professionnelle. C'est pas juste une phrase comme ça. C'est de la conscience ici et maintenant. Et puis d'être évidemment que les mouvements de l'âme, quoi. Oui. C'est obligé, même dans le cours. C'est pour ça que lorsque vous avez un bon pianiste qui joue au piano, qui vous accompagne au piano, et pendant les répétitions d'un ballet, ensuite vous vous trouvez à l'aise lorsque du piano vous passez sur la scène avec un orchestre, parce que vous reconnaissez le même style que vous avez eu avec le piano, mais qui est transmis avec un orchestre. Donc, vous n'êtes pas, disons, vous vous sentez pas dépaysé sur scène. Et un pianiste transcende un cours. Voilà. Un pianiste transcende le pas. Il vous donne envie de sauter, il vous donne envie de tourner, il vous donne envie d'exprimer. Mais c'est ou alors il vous plombe un cours aussi. Mais ce qui est bien d'avoir le pianiste pendant les cours ou pendant les répétitions aussi, c'est qu'avec le pianiste, vous pouvez lui demander, vous lui dites, non, écoutez, vous me faites le tempo un peu plus lent, c'est un peu trop rapide, vous ralentissez un petit peu, surtout pour les vents de jambes en l'air, vous allez un peu plus lentement, ou bien vous allez plus rapidement. Donc, ça aide le danseur ou à le fatiguer plus ou à le fatiguer moins. Parfois, il y a des danseurs solistes. Parfois, il y a certains danseurs solistes qui aiment faire les grands tours ou les fouetter. Et ils ont leur rythme. Ils ne peuvent pas aller trop Bien vite, sûr. aller trop lent. Donc, il faut suivre le danseur aussi. Bien Et sûr. donc, avoir le pianiste qui arrive à suivre tout ça, c'est vraiment magique dans un cours ou dans Ah une là là. répétition. Et Complètement. aujourd'hui, pas toutes les écoles ont cette Non, moi j'ai formation. vraiment la chance et j'ai toujours eu d'excellents pianistes. Enfin, pratiquement toujours.
Vraiment extraordinaire. Bon, bravo, parce que J'ai beaucoup de chance. Non, parce que ça développe la technique aux danseurs, hein. Bien sûr, mais complètement, mais c'est pour moi c'est essentiel, hein. C'est essentiel. Le rapport à la À musique, et puis on ne peut l'école, pas danser toujours sur la même musique non plus, avec le même CD, le même truc, c'est pas non, non, possible. non, non. Moi, quand j'enseignais au Maroc, malheureusement, j'avais des CD, j'avais des cassettes qu'on utilisait, mais je devais changer, je devais m'inventer quelque chose pour changer, Voilà, parce c'est que un travail fou. ça devenait trop monotone. Donc, et ça devenait vraiment, c'était un miracle ce qu'on a fait, parce que c'était chaque fois que ma mère devait partir en Europe, on disait, bon, tu vas m'acheter des cours de danse ou les vieux CD ou les cassettes pour changer, parce que sinon Quel c'est... travail pour tout préparer comme ça avec la. Oui, parce que Et puis on ne peut pas sur l'instant changer parce qu'il y a un élève qui... Attends, on va essayer autre chose. Je vais changer d'exercice. Enfin, voilà, d'être sur l'instant. Parce que c'est ça aussi la pédagogie. oui. C'est Alors, moi, adapter tout le temps. j'avais enregistré pour chaque mouvement trois, quatre choix de musique. Donc, je pouvais sauter d'un choix à un autre, un qui était un peu plus rapide, l'autre qui était un peu plus lent. Donc, il y avait aussi le tempo. Il y avait, enfin, mais c'était un travail monumental qu'il fallait faire parce qu'il n'y avait pas les ordinateurs comme aujourd'hui. Donc, Et bien sûr, et ce qui est très intéressant aussi, c'est que le travail des accompagnateurs a énormément évolué. Oui. Parce que moi, je me souviens à très très longtemps, les pianistes, des fois, faisaient ploum, ploum, des accords pour démarrer un exercice, par exemple. Ça faisait ploum, ploum. Et puis après, ti là là, bon. Sauf que tout a évolué, la façon de jouer. Ça s'est complètement développé. Il y a eu, comment il s'appelle, Pietro Galli en France, qui a été complètement. Il a commencé à improviser directement sur ce qu'il ressentait du mouvement du danseur, et ça collait parfaitement. C'était extraordinaire. Et il y a eu Sylvain Durand qui nous a quittés il y a quelques mois. Sylvain Durand, il a commencé aussi à ouvrir sur. Bon, il y avait bien sûr le classique, mais aussi un petit peu de côté un peu jazz, pour un petit peu Oui. donner aux danseurs un peu de liberté, bon, de Oui. sortir un peu des sentiers battus, et d'ouvrir le cours à d'autres. Ça a été incroyable l'évolution qu'il y a eu. Oui. Parce que, Je ne étant sais pas jeune, si c'était vous... un peu Oui. plomb-plomb par Oui. moment. Et je ne sais pas si vous connaissez, il y a une grande pianiste qui travaille à Nanterre qui s'appelle Gaëlle Sadone. Oui, bien sûr, elle est très très bien, elle est super. Elle est formidable. Elle est Je formidable. la connais, oui, tout à fait. Bien sûr, incroyable. Non, aujourd'hui, il y a des très bons, il y a vraiment de très bons pianistes. Hein. Enfin, il y a les deux. Hein. Après, il y a des fois des cours, on se dit, ça peut arriver, hein. Pas tous les cours ont la chance d'avoir les bons pianistes. Hein. Voilà, il y a des bons pianistes et il y a des pianistes exceptionnels. Alors là, c'est qui jouent, qui modulent, qui reprennent, le danseur qui a peut-être le matin à 8h30 des fois. Hein. Allez hop, ça y est, ça parcourt le corps et on n'a pas le choix, quoi. La musique vous porte, c'est Oui, extraordinaire. Comme elle peut aussi vous plomber. Hein. ça transporte aussi les professeurs, parce que les professeurs parfois arrivent dans le studio, ils sont un Tu peu vois. fatigués aussi, ils n'arrivent pas à imaginer certaines combinaisons de mouvements. Et puis, grâce au pianiste, il y a comme une étincelle qui, ah tiens, je peux faire ça à la place de ça. Fait. Il y a une écriture presque automatique, hein, avec la musique. Oui, Hein. c'est comme le Moi, je café, sais un bon que. café le matin, ça réveille. Et parfois, pour des concours, on me demande de créer des variations. Et comme je dis, quand j'ai mon choix musical trouvé, que je cherche ma musique et que ça y est, je suis tombée amoureuse de ma musique, ça va être de l'écriture automatique. La variation, je vais la faire comme ça. Parce que la musique me donne les pas, quoi. C'est incroyable, le rapport à la musique, pour moi, c'est.
La musique, c'est... Imaginez un petit peu si nous n'avions pas la musique, il fallait danser sans musique. Alors ça existe, hein, mais... Oui, ça doit être terrible. Ça doit être terrible. Oui, je ne pas que ça dure trop longtemps. Moi, je vous cache pas que la première fois que j'ai paru sur scène, ma mère, qui était mon professeur de danse, m'avait dit, écoute, techniquement, naturellement, j'étais un gamin, j'avais 10 ans, puisque j'ai paru sur scène. On m'a dit, je vais utiliser la musique du Capriccio Italiano de Tchaïkovski. C'est vraiment l'introduction, l'introduction qui dure 3 minutes. Et tu vas faire des choses très simples, très faciles. Tu rentres sur scène, tu vas faire des petits sauts, des petites choses, et puis t'arrêtes là, c'est tout. Et naturellement, bon, à mon niveau, j'ai fait ce que j'ai pu faire. Mais la première fois que j'ai été sur scène, ça a été la catastrophe. Parce que moi, je vous parle donc il y a 50 ans de ça, hein, et c'était les vieux enregistreurs avec les bandes qui s'étaient bloquées. Je me trouvais sur scène devant 600 personnes Oh mon et Dieu. cet appareil s'est bloqué, il était Aïe. défectueux. Et ma mère, qui se trouvait de l'autre côté des coulisses, me dit fais ta variation sans musique. Vas-y. Pour moi, ça a été le premier choc que j'ai eu de la scène, qui a été, disons, ça a C'est été un terrible. choc. Ça a été terrible. Ça a été terrible. Mais ça, d'un côté, ça m'a développé cette force de vouloir continuer. Je ne sais pas comment, mais ça m'a donné cette force de... Et de trouver le Ah. rythme intérieur. Mais enfin bon, c'est quand même pas Oui, évident mais quand on sur est scène, jeune. je suis retourné, je suis à mais donc j'étais choqué, j'ai pas voulu, j'ai dit à ma mère, écoute, moi la danse classique, je veux plus la continuer, j'étais complètement dégoûté, c'était vraiment négatif comme expérience. Mais après quelques mois, j'ai recommencé, et j'ai recommencé avec beaucoup plus de verve qu'avant. Ça a été donc bénéfique. Oui, ça a été bénéfique. C'est bénéfique. Parfois d'un échec ou d'une mauvaise expérience, Oui, parfois, voire parfois même d'un accident. il arrive à beaucoup de danseurs que pendant ils font leur exercice, surtout au milieu, ils tombent par terre, pendant le tour dans l'air, pendant les fouetter. Et bon, ça, il faut, et ça arrive, ce sont des expériences qu'il faut faire. Parfois, il y Bien a des sûr. filles qui vont sur pointe, elles tombent par terre. Bien sûr, Elles bien sûr. s'étalent par terre. Mais c'est nécessaire parce que ça rend plus fort. Ça Bien fait sûr. Mais plaisir. même un accident peut rendre plus Oui, fort. pendant les pas de deux, parfois il arrive que pendant les portées, le danseur perd l'équilibre ou la danseuse tombe par terre. Bon, mais Bien sûr. Ou de c'est se blesser. ou se Une blesser. blessure peut rendre plus fort. Oui, voilà. Oui. La manière de travailler va être différente après. On Oui. va voilà, faire avec et ça peut faire énormément progresser une blessure. Moi, ça m'est arrivé. Mais vraiment, oui. Une manière de. On va travailler différemment, en fait. Alors, Oui. vous avez toujours enseigné, disons, non? Après avoir dansé, vous avez enseigné. Est-ce que vous avez essayé de faire des chorégraphies? Oui. Alors, évidemment, au départ, c'était plutôt pour. Enfin, j'ai aussi travaillé dans un conservatoire pour des élèves amateurs, vous savez, 2 fois par semaine, Oui. etc. Avant de faire, voire même après, j'ai fait les deux en même temps pour les apprentis, les pré-pros. Alors, je me suis exercée à la chorégraphie au travers de conservatoires avec les spectacles de fin d'année, Oui. mais que je vraiment, je travaillais beaucoup, beaucoup, beaucoup dessus. J'utilisais même, alors évidemment, ça, celui qui m'a vraiment aidé à ce niveau-là, c'est Béjart. Déjà. Parce que il a développé justement, je prenais pas, je prenais, enfin, je faisais différentes chorégraphies avec des musiques du monde, avec le côté un peu plus néoclassique. Et puis j'avais une partie très classique. Je faisais vraiment plusieurs, je faisais la partie très classique, plutôt le tutu long, le tutu court. Bon. Très avec de la musique très classique. Et j'avais toujours une deuxième partie
beaucoup plus ouverte sur alors je des percussions, musique du monde. Alors ça, c'était mon côté béjart, quoi. Et les élèves, ça les éveillait un peu à d'autres cultures. Je trouvais ça très intéressant pour les élèves dans leur vie aussi, hein. Oui, mais ça aide Alors, aussi je me souviens plus. la catégorie d'élèves qui ne sont pas professionnels ou qui n'ont pas l'intention de devenir danseurs professionnels, qui restent sûrement à un niveau amatorial. Tout à Ça fait. développe aussi le côté technique. Bien sûr. Bien sûr, technique et artistique. Oui. Et ça développe une sensibilité pour leur vie aussi. Oui. Parce que bien sûr, ben, aussi sensible en tant que public, hein, après aussi. Et moi, je me souviens, j'avais fait un spectacle sur les éléments. Alors, il y avait la terre, le feu, bon, l'air et tout ça. Et j'avais pris, par exemple, pour le feu, des danseurs espagnols. Alors, non seulement j'aimais bien styliser, c'est-à-dire qu'évidemment, comme on a Don Quichotte et tout ça, bon, on avait stylisé par rapport à la danse, mais j'avais fait venir des danseurs de flamenco pour que toutes les sources soient juste la vérité, enfin, qu'ils voient. Alors, il y avait d'abord les danseurs de flamenco, puis nous, on arrivait jusqu'à styliser, évidemment. J'avais pris pour l'air, j'avais pris une gymnaste avec des rubans. On avait travaillé avec le souffle de la flûte de Pan. La terre, c'était. Ah oui, il y avait un danseur africain qui était venu, mais vraiment avec. C'est pas la danse africaine moderne. Il avait fait des danses traditionnelles africaines. Et puis moi, j'avais fait toute une partie avec un côté un peu Elvin Allais, très dans le sol, très terre, quoi. Et avec des musiques très. Bah, Elvin Allais, en fait, hein, très. Tiré de le fameux ballet avec Judith Jemison. D'ailleurs, j'ai travaillé avec elle chez Béjart. Et voilà, d'ouvrir sur une deuxième partie. Et puis, la première partie, je prenais toujours un grand classique. Voilà. Mais pour les élèves, c'est très important. Ça ouvrait l'esprit avec des textes. Je partais sur Bachelard, l'air et les songes, enfin, etc. Mais j'essayais de vraiment pouvoir faire un travail d'éveil culturel aussi. Voilà. Oui, ça Sois nourri. ça se nourrit, voilà, exactement. C'était très Est-ce passionnant. C'était passionnant, vraiment. que vous avez jamais travaillé avec Balanchine? Ah non. Balanchine, lui, non. Malheureusement, non. Non. J'ai fait des chorégraphies de Balanchine, mais au Ballet du Nord. Mais Oui. j'ai pas travaillé avec lui. J'ai travaillé avec Jérôme Robbins. Ah. Oui, mais j'étais jeune, c'était sur un ballet qui était fait pour. C'était, comment ça s'appelait? Circus Polka. Circus Polka, mais voilà, bon, je l'ai une fois, hein. Mais Donc c'était formidable. disons le grand maître qui vous a formé, bon, c'est l'école, oui, en France, l'école française, mais c'est aussi Béjart. Ah oui, Béjart m'a beaucoup marqué, m'a beaucoup, beaucoup ouvert l'esprit, beaucoup. Oh, j'ai grandi énormément avec Béjart. J'ai ouvert mon esprit vraiment. Puis les voyages, j'ai beaucoup voyagé. Donc tout ça, c'est important. Parce que le danseur qui voyage, on change. Hein. Ah oui. Oui, Ah, c'est une grande expérience, ça. c'est un bagage, hein. On accumule un Et, bagage mais complètement. d'expérience. Oui. Complètement. Puis quand j'allais en même au j'allais voir l'American Ballet, j'allais voir, je sais pas, enfin je quand j'allais je, on allait à New York ou ailleurs, enfin j'allais regarder les autres travailler, j'allais regarder soit au Japon. Après, d'ailleurs, je suis retournée au Japon en tant que professeur, c'était intéressant. C'est non, tout est vraiment, il faut se nourrir de d'autres cultures. Oui. Ça, c'est vraiment Même très important. si la technique de la danse, disons, oui, elle a quelques nuances, ça dépend des pays, des académies de danse et tout ça. Est-ce que vous trouvez que, par exemple, si vous avez des danseurs du Japon, ou bien des danseurs qui viennent de l'Afrique, ou bien des danseurs qui viennent dans d'autres pays, ils ont quand même des physiques qui sont différents l'un de l'autre. Oui. Donc, Oui, quand même. Oui. oui, parce que voilà, vous prenez par exemple des filles qui viennent du Japon, et Oui. elles ont tout à fait un autre physique que les filles qui viennent de Russie ou bien qui viennent d'Europe. Tout à fait. Donc, est-ce que
Cela, grâce à la danse, fait de façon que le niveau technique soit tout le même, ou bien il y a quand même quelques petites nuances, quelques petites différences, et sur le côté technique et sur le côté, physique. Il y a quelques petites différences. Et ce que je trouvais justement très, très intéressant avec Béjart, c'est que la compagnie était comme ça. La compagnie était faite de personnalités différentes, de physiques différents, contrairement à l'époque où le corps de ballet, par exemple, de l'opéra, fallait pas mesurer moins d'un mètre, je sais plus, je sais plus exactement, Fallait jusqu'à, pas et pas plus d'un dépasser, mètre soixante-huit. Il oui. fallait pas faire le corps de ballet. Voilà, Béjart, c'est pas du tout ça, et justement, on est en plein dedans parce qu'il a travaillé avec toutes les nationalités, tous les corps, toutes les races, tout, et justement, et avec des ballets aussi, avec des musiques du monde complètement différentes, que ce soit Bakhti, que ce soit enfin, Rumi, enfin, tout était, il n'y avait pas des lignes de danseurs, c'était que des personnalités artistiques avec des corps différents, pas toujours ceux de l'opéra. Et franchement, ça apporte quelque chose d'intéressant et de vivant aussi. On n'était pas dans une diagonale de cygne, c'était tout à fait autre chose. Par contre, si vous voulez, moi, je ne suis pas du style à dire, bon, moi, le ballet classique, la Sylphide, Gisèle, Lac des Cygnes, non, pas du tout. Je suis totalement... Comment dire, je suis fan, j'adore, j'aimais moi-même danser tous ces ballets-là avant. J'aime autant voir ces ba ballets traditionnels que voir du Béjart, ou de voir Akram Khan, ou voir Crystal Pite, ou voir Hans van Manen, Kilian, qui vous voulez. Enfin, À tous les moi, j'ai styles et aucun tous les problème avec chorégraphes. ça. Que ce soit même Oad Naharin, mais je respecte tout et je trouve ça justement passionnant, les différences, que ce soit de corps, de chorégraphie, d'évolution, de... Mais on ne peut pas, j'en reviens à dire, on ne peut pas renier le passé pour construire l'avenir. Je veux dire, tout est très intéressant et même dans les corps. Parce que chez Béjart, tous les corps n'étaient pas académiques, hein. Rita Pellworld, grande égérie avec Shona, Mirk et Don et tout ça. Rita, il n'y avait pas plus en dedans qu'elle. Elle était fermée des hanches, mais fermée. Incroyable. Mais il s'en fichait complètement. Et on adorait la voir danser parce qu'elle avait trouvé une autre façon à elle de danser. Et voilà. Alors évidemment, on ne pouvait pas faire ça dans un corps de ballet où il y a tous les signes qui sont avec le même physique. Voilà, mais peu importe, ça existe aussi. Et c'est très bien. Oui. Et c'est très Je suis bien d'avoir complètement, des... complètement Oui, d'accord avec ça vous. n'empêche pas de danser. On n'est pas... Voilà. C'est pas ça La l'essentiel. danse doit être ouverte et libre pour tout le monde. Bien sûr. Et Et Don n'était pas... Don, il avait des pieds comme ça. Et alors, il était pas... C'était pas un grand technicien classique pur. Mais quel artiste incroyable! C'était incroyable et pourtant Parce il avait pas. que Don, il avait aussi l'expression, il avait une expression qui était Et typique les bras, classique. le haut du corps, l'expression, tout était voilà, transcendé par ce lion qu'il était incroyablement Donc artiste. Béjart a pu développer en Don cette force de lion qu'il avait sur scène. Oui, tout à fait. Et voilà, donc c'est très bien aussi. Parce qu'il faut, à mon avis, aujourd'hui, la danse doit se mélanger avec les différents styles. On ne peut Tout pas à tout fait. le temps voir les spectacles avec tout le respect que je porte pour les grands ballets classiques, Lac des Cygnes, Bien sûr. les ballets de répertoire, non? Lac des Cygnes, Belle au bois dormant, Oui. tous ces beaux ballets qui sont vraiment féeriques à voir avec la musique qui transporte aussi. Mais il faut varier aussi, parce que sinon, Bien sûr. c'est comme si on dit au public ou on dit aux danseurs, tu vas manger toujours la même chose Ah pendant. non, surtout pas, surtout pas. Mais il ne faut pas éliminer.
Non, il Mais il faut faut varier. varier. Il faut Voilà, varier. il faut que. Mais complètement, mais complètement. Mais ça, bien sûr, bien sûr. Voilà. Ah oui. Est-ce que si un jour vous auriez la possibilité, on ne sait jamais, hein, on ne sait jamais, de pouvoir créer et donner la possibilité à la jeunesse. Et si par exemple on vous disait, Madame Fabiane, écoutez, après tout le beau travail que vous êtes en train de faire, pourquoi vous ne dirigerez pas vous quelque chose de grand, d'important, un nouveau projet pour la danse, comme un genre de grande compagnie de danse? Eh bien, je vais vous répondre, c'est pas du tout ma place. Il y a des personnes qui sont faites pour ça, et moi, ce que j'aime avant tout, c'est pas diriger ou une compagnie ou quoi, c'est être dans les studios et juste être dans la pédagogie, presque encore plus que dans la chorégraphie. J'ai fait des chorégraphies, même pour le Jeune Ballet Européen, je fais pour des concours. Bon, mais ce que j'adore avant tout, c'est donner des cours, être dans la Si le pédagogie projet un jour se et réalise, est-ce qu'on vous propose, venez dans nos studios donner des cours? ah, ça, oui, bien sûr. Je vais à droite, à gauche, même en compagnie. Je donne des cours dans, je vais donner des cours au Ballet du Rhin. Je suis près le Jokage. Oui. J'ai donné Ballet de Lorraine. Enfin, les compagnies, les amateurs. J'ai tout fait en fait. Oui. Et mais c'est ça qui me passionne vraiment. Oui. C'est former des élèves ou continuer à apporter, même dans des compagnies. Hein, je sais que Oui. on continue à progresser hein, dans une compagnie. Sinon, si on ne progresse pas, Alors maintenant, je vais c'est vous bien dommage. poser une question qui est un peu difficile à répondre. Ah! Je ne sais pas si à notre époque c'était la même chose, mais c'était plus rigoureux à notre époque. Mais même aujourd'hui, quand on voit des auditions, il y a le membre du jury qui, disons, sélectionne un danseur ou une danseuse en base de la technique. Il voit le numéro qui porte, chaque danseur porte un petit numéro sur le t-shirt. Mais à mon avis, aujourd'hui, les membres de jury veulent le danseur parfait, veulent le danseur qui arrive à faire tout. Parfois, il arrive qu'il y a des danseurs qui sont pris de l'émotion. Donc, pendant l'audition, au lieu de donner le 100%, il tombe à 60% de leur force. Parce qu'ils perdent la concentration. Techniquement, parfois, ils perdent l'équilibre. Parfois, voilà. Alors, est-ce que vous trouvez que c'est juste d'analyser une personne à première vue comme ça? Pourquoi ne pas donner une chance à ces danseurs qui peut-être ne sont pas admis aux auditions, de pouvoir danser aussi. Alors déjà, enfin, ce qui serait sur le manque de temps, je pense qu'il y a toujours le temps, l'argent, enfin tout ça, évidemment, c'est toujours la même histoire. Mais oui, rien que les jeunes danseurs, bon après un danseur aguerri, c'est encore autre chose parce qu'ils peuvent partir d'une compagnie pour aller à une autre compagnie, voire même être invités directement sans audition. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que moi j'essaye quand je voudrais qu'un un danseur passe une audition, c'est de les envoyer quelques jours dans la compagnie pour se familiariser un peu et qu'après le maître de ballet ou le directeur passe les voir des auditions un peu privées, que ces auditions sont terribles parce que quand il y a des grosses auditions, moi d'ailleurs je l'ai vécu hein, j'ai vécu l'enfer dans les auditions. Fallait pas se démonter parce que là c'était terrible parce que on faisait un plié, merci 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 merci, dégagez. Merci, merci, merci. Et tout au long de la barre, et tout comme ça, éliminés les uns après les autres jusqu'à l'atelier chorégraphique.
etc. Ça, c'était super dur, hein. Mais que une audition soit sur peut-être plus un partage dans un. Je trouve que les auditions privées, c'est bien. Oui. Que les auditions publiques, c'est vraiment très, très, très dur, hein. Oui, c'est très strict. Mais que le danseur puisse se mêler un peu à travailler dans le cours, Oui. participer à un travail de même. Alors, bon, l'atelier, je trouve que c'est très important. Que l'audition soit, en tout cas, que le danseur puisse un peu se poser et se, tout au long d'une journée ou de 2 journées, Oui. puisse s'intégrer un peu et faire un travail d'atelier avec la compagnie, de pouvoir se décontracter un petit peu au fur et à mesure. Moi, bon, chez Béjart, c'est comme ça que ça a été d'ailleurs. Au Oui. départ, c'était je sais pas combien de personnes. Et Oui. donc, l'élimination à la barre, hein. Oui. L'élimination au milieu. Mais ceux qui restaient pouvaient quand même commencer à voilà, se familiariser et puis passer à l'atelier, etc., etc. Mais c'était, enfin, ça reste toujours très, très dur, une audition. Oui. Et on peut passer à côté de quelqu'un, ça, c'est sûr. Oui. Ouais, parce que les auditions, c'est, on a la sensation parfois d'être dans une machine qui hache la viande. Oui. Et c'est donc, oh, je C'est pour crois ça que moi, que quand j'envoie un danseur, je l'envoie souvent, j'essaye d'obtenir qu'il aille prendre des cours pour avoir un retour du maître de ballet déjà, d'y aller petit à petit. Enfin, Oui. j'essaye, avec les connaissances, de pouvoir un petit peu. C'est vraiment, oui, sinon c'est très très dur. L'audition, le dossard, le machin, allez hop, on y va. C'est. Oui, un danseur peut perdre un petit peu ses moyens quand même. Parce que la scène, il n'y a rien à faire. La scène, c'est autre chose. Parce qu'on pourrait dire, oui, dans ces cas-là, on perd ses moyens sur scène. Non. Parce que la scène, c'est. Enfin, après, on peut aussi ne pas être perdre ses moyens sur scène. Il y en a qui n'y arrivent pas, et malheureusement, qui avec le trac, perdent leurs moyens aussi. Oui. Bon, alors ça, évidemment, c'est difficile. Mais la scène, en général, il y a avant la scène, par exemple, où moi, je me suis vue dans les coulisses, je me dis, mais je ne vais pas y aller, hein. Je rentre chez moi, quoi. La trouille, le trac, qui est finalement indispensable. Ouais. Ce fameux trac, et hop, on rentre sur scène, magique. Parfois le trac est tellement fort qu'on a l'estomac qui tremble tout seul et on ne Oui, peut pas mais en même temps, le respirer pied est même. mis sur scène, voilà, et tout part, parce que ça y est, on est rentré sur scène et c'est vraiment tellement magique. Donc, ça. Ce n'est pas du tout pareil qu'une audition. Une audition, c'est beaucoup plus. C'est violent quand même, hein, Oui, pour ne parce que pas perdre ses moyens. l'audition, c'est parfois fait l'effet de la guillotine. Tout à fait. Tout à Hein? fait. Parce Et que. souvent, je dis à mes élèves, pensez dans le cours, parce qu'une audition, c'est bien. Souvent, dans le cours, malheureusement, on ne va pas vous voir sur scène. Et enfin, ça peut arriver, mais. Les auditions sont souvent dans le cours. Il faudrait Oui. que vous soyez déjà toujours dans un petit peu Moi, de prendre un je. cours Oui. à fond, tout le temps, et de se dire, je ne me place pas pour tester, hein, je me place pour réussir, que je me place pour tout de suite tout solliciter pour que mon pas soit vraiment du mieux que je peux, parce que c'est ce qui se passera après, hein, dans les auditions. Oui. Malheureusement. Alors, je m'adresse maintenant aux jeunes danseurs. Quand vous êtes refusé, vous n'êtes pas admis dans les auditions, ça ne veut pas dire que techniquement vous ne valez rien. Vous valez. Bien Seulement, sûr. la compagnie doit faire un choix aussi. Bien Donc, sûr. si vous ne rentrez pas dans la catégorie, dans le style de la compagnie, parce que chaque compagnie a, Mais comment on dit, complètement. sa politique. Donc, Tout si à vous ne fait. rentrez pas sur cette optique politique ou bien technique aussi, vous n'êtes pas admis. Et ça ne veut pas mettre en jeu votre valeur technique, parce que vous êtes quand même fort techniquement. Mais c'est Bien sûr. tout simplement que vous ne rentrez pas dans cette catégorie. Donc vous devez essayer une autre compagnie. Mais complètement, mais complètement. Mais moi, j'ai vraiment la preuve par une compagnie comme à l'époque Béjart. Il y avait vraiment des techniciens
des plus artistes mais moins techniques, avec bourré de défauts. Comme je vous dis, Rita était complètement dedans, mais elle était extraordinaire. D'autres, enfin, bien sûr qu'on ne correspond pas toujours, et ça ne veut pas dire qu'on est nul ou mauvais. On a toujours la compagnie qui va correspondre. Il faut jamais lâcher. À partir du moment où il y a quand même, qu'on a développé une vraie personnalité artistique. Malheureusement, Non. aujourd'hui, bon, les jeunes peut-être aujourd'hui ont beaucoup plus de chance, mais à notre époque, lorsqu'on était freelance, encore on n'avait pas un contrat pour travailler dans les compagnies. On n'avait pas assez de moyens, assez d'argent, et on ne pouvait pas toujours demander à la famille, à son papa ou à sa maman, écoute, vous m'aidez parce que je dois voyager, faire une audition C'est terrible. en Angleterre ou bien faire une audition là, en Italie ou en Allemagne. Donc, on n'avait pas les moyens. Aujourd'hui, les jeunes ont peut-être ont un peu plus de moyens pour. Ils ont aussi les familles qui leur permettent ça. Donc, mais à notre époque, c'était beaucoup plus difficile parce que c'était ou ça ou rien. Donc, on se contentait de ce que la vie nous donnait. Donc, si on était vraiment capable d'être embauché dans une compagnie, c'était vraiment un miracle. Et surtout qu'il y avait un monde fou dans les auditions, mon Dieu. Il y avait un monde. Bon, moi, une fois, C'était. j'ai participé à une audition à laquelle je n'ai pas été accepté, naturellement, mais il y avait dans les 80 danseurs et danseuses. Bien sûr. Et sur ces 80, ils n'ont accepté que deux. Tout à Donc, fait. vous voyez? Donc, mais ça ne veut pas dire que les autres, deux ont été Bien sûr. acceptés et que les autres étaient techniquement des Absolument. nullités. Mais ils Bien n'allaient sûr. pas pour la compagnie, ils n'allaient pas pour le style qu'ils voulaient. Ce n'était pas ce qu'ils Bien sûr. cherchaient. Et donc, voilà, les danseurs aujourd'hui ne sont pas tous des Rockefeller, ils n'ont pas les moyens, mais il faut aussi Oui. donner que les compagnies soient un peu plus souples, à mon avis, et donner la chance aux danseurs, même si ce n'est pas des longs contrats. Mais bon, si moi je vois un danseur qui n'est pas fort techniquement, je lui dis, écoute, je te Même donne en tant que ça. stagiaire. Même un contrat de 1 mois, je te donne la possibilité de travailler 1 mois. À 1 mois, tu te familiarises avec la compagnie, avec la technique de la compagnie. Et si après 1 mois, tu ne vas pas, alors là, tu quittes. Mais Oui, c'est on leur donne cette chance le stage. voilà, de stage. Et alors là, maintenant, nous sommes en train de nous approcher à la fin de notre interview qui, malheureusement, a été très beau. C'est un interview qui est Merci. formidable. Et Merci. parce que tout Un ça. bel échange. J'échange, en fait, nous échangeons. C'est Oui, formidable. J'ai l'impression de discuter Non, mais moi, voilà, sans. la motivation de ces interviews que je crée pour le monde de la danse, naturellement, oui, je mets en relief la personne qui parle, l'artiste qui parle, qui s'exprime. L'expérience qu'il a eue, moi je parle, disons, Madame Floriane Blitz, mais aussi les autres qui ont eu leur interview. Bien sûr. Mais aussi, c'est beau de partager la vie d'un ex-danseur, la vie d'un professeur de danse. Parce que quand on fait partie d'un groupe sur Facebook, on voit des noms importants. On n'a aucune idée de la valeur de la personne. On voit des noms importants, des danseurs importants, mais effectivement, on ne sait pas qui c'est. On les voit, oui, sur scène, mais parfois on voit des grands professeurs, mais on ne sait pas. Quand on voit un professeur parler, voilà, là maintenant vous avez été interviewé. S'il y a des danseurs, des jeunes danseurs qui vont vous entendre parler, ils auront une idée de qui est Madame Floriane Blitz. Comment elle enseigne, qu'est-ce qu'elle a eu comme expérience dans le passé. Et c'est ça qui compte. Vous Et c'est voyez? formidable ce que vous faites, c'est très généreux, je trouve que ce Voilà. partage. Moi, mon rêve serait un jour, si j'arrive, et si aussi, enfin, ça dépend de beaucoup de choses, de pouvoir interviewer Madame Bessy. Ah oh, oui. Madame Bessy, c'est le.
Le Larousse de la danse, c'est un dictionnaire de la danse. Elle connaît tout, elle sait tout. Ce sont des personnes comme ça qui aident la jeunesse. Je le fais surtout pour le côté culturel de la danse. Bien sûr. Voilà, c'est ça qui Alors, en tout cas, vraiment, merci pour ce que vous faites. est. Merci à Parce vous, que, ah Floriane, non, pour avoir ce accepté. sont des beaux partages et ça fait du bien. Ça fait du bien, ça. Ça... D'écouter moi-même, d'écouter les autres aussi, vraiment, Voilà, par exemple, grâce à vous aujourd'hui, vous m'avez dirigé, vous m'avez enseigné beaucoup de choses. Parce que j'ai découvert en vous des qualités de professeur qui sont difficiles à trouver dans d'autres personnes. Donc, c'est difficile. C'est difficile parce que pas tout le monde est fait de la même farine. Vous avez étudié la danse, vous avez eu la chance d'avoir étudié la danse avec de grands professeurs en France, et il y a d'autres danseurs qui ont étudié la danse dans d'autres pays. Donc c'est beau de pouvoir partager toutes ces études, tous ces professeurs, toutes ces idées, tous ces styles, Bien sûr. toutes ces différentes techniques qui, à la fin des comptes, regroupent tous et deviennent tout unique. Tout à Parce fait. S'intéresser aux autres écoles. Moi, je suis vraiment voilà. très, très intéressée Parce par tout que ce qui est pédagogique en général. Il ne faut pas juste rester dans son. Voilà, les fruits. Même en tant que professeur, on continue à se nourrir et à. mais c'est surtout aussi pour les professeurs, parce que les professeurs ont besoin de se nourrir. Bien sûr. C'est pas seulement les danseurs, mais c'est Ah, les professeurs, parce que les professeurs ne peuvent pas penser et dire, moi je suis le meilleur, j'enseigne à ma façon et ça s'arrête là. Non, il faut apprendre, il faut ouvrir les portes, il faut découvrir. Il y a toujours on apprend des élèves, on quelque apprend de chose. nos élèves. Voilà, par exemple, il y a des chorégraphes aussi. Il y a des danseurs. Pendant les répétitions, il faut un mouvement. Un mouvement dans le coin du studio. Le chorégraphe le voit et dit, écoute, fais-moi ça de nouveau, ce que tu viens de faire. Parce que je pourrais l'utiliser pour la chorégraphie. Voyez? Donc, une chose aide l'autre, une chose aide l'autre. Bien Et sûr. c'est ça qui fait de la danse la beauté de la danse et Mais qui crée de nouveaux styles, de nouvelles choses. bien sûr. Voilà. Et Madame Floriane, avant de terminer notre interview, quel serait votre message? Vous êtes la première personne du 2024 qui parle dans l'interview. Quel honneur. Quel serait le message d'espoir pour les jeunes danseurs d'aujourd'hui? D'espoir. Bah, de toute façon, la passion, c'est nourri d'espoir. Alors, il faut être passionné, ça c'est sûr, totalement passionné. Je pense qu'il faut, comme on disait, s'ouvrir à toutes les cultures, se nourrir de voyages, se nourrir de cultures, que ce soit musicales, l'architecture, la peinture, ce que le comment dire, que tous nos ports, que tous les ports, enfin, des danseurs soient ouverts pour recevoir le maximum de choses. Parce que on peut pas être sclérosé dans son petit monde. Et pour moi, ça nourrit l'artistique. Et s'il y a l'artistique, la technique se développera de toute façon. Enfin, je veux dire, pour moi, si c'est nourri par l'artistique, la technique se développe beaucoup plus vite. Et donc, c'est ça, c'est s'ouvrir et ne pas. C'est pareil aussi, être pluridisciplinaire. Être vraiment pluridisciplinaire. Toute forme d'art, que ce soit physique, mais intellectuelle, nourrira la danse quoi qu'il arrive. Oui, Donc, je complètement. pense qu'il faut être très, très, très ouvert à tout. Il faut Et accepter. bien sûr, être passionné, passionné. Parce que bon, travailler sans passion, c'est quand même difficile, hein. Il faut tous les jours se remettre en question. Aimer ça. Il faut aimer le travail. Il faut aimer ce. En fait, je pense qu'il faut se. On rentre dans son laboratoire tous les matins
et on cherche. On est des chercheurs. Et on a ce plaisir, se délecter, vraiment se prendre du plaisir à travailler et à rechercher. Et jamais prendre le même cours tous les jours. Être toujours en recherche et pas en méthode automatique. Voilà. Et puis tout est bon à prendre. Il faut se nourrir. Il faut avoir les pores ouverts, il faut s'extasier de beaucoup de choses. Je suis content d'une chose, c'est que nous sommes, tant vous que moi, sur la même ligne d'idées. Parce que je suis... Je le ressens aussi. Je le Voilà. ressens beaucoup. Ça fait plaisir. Il y a une grande positivité qui... on se comprend très bien et je suis content de ça. Et je Et vous souhaite que... savez, je voulais vous dire quand même une dernière chose. Vous savez, mon bonheur aussi, c'est travailler avec des danseurs classiques, mais j'ai aussi des danseurs jazz et des danseurs contemporains. Et mon bonheur aussi, c'est de leur faire aimer la danse plus académique. Hein. Et quand, parce qu'évidemment, on travaille avec des danseurs classiques, bon, voilà, c'est normal. Voilà. Mais quand un danseur contemporain ou jazz qui peut-être arrive au départ avec des a priori ou le classique, et qu'ils finissent par dire le cours que je vais prendre pendant les vacances, je vais venir quand même prendre le cours, ça va être le cours de classique. J'ai dit alors, et quand ils commencent à me dire mais c'est formidable, j'apprends et ça me nourrit ma danse jazz ou contemporaine, et quand ils commencent à aimer, mais vraiment aimer ça, alors ça pour moi c'est aussi. Une Un grande, bonheur. un bonheur, c'est une grande Je victoire. suis Parce heureuse. Je suis heureuse. Très heureuse. ça vous rend heureuse de Ah voir oui. les autres personnes heureux aussi. Oui. J'aime vraiment, j'aime tellement mon métier. C'est un bonheur. Voilà. J'espère qu'un jour, Floriane, on pourra se rencontrer et échanger les idées à vive Avec voix. plaisir. Ah oui, j'adore les échanges. Pareil, ça me nourrit aussi. Voilà, j'espère Ça qu'aussi fait du bien. on pourra travailler ensemble dans quelque chose, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Avec plaisir, avec Voilà. plaisir. Alors, Merci beaucoup. dernière question, est-ce que vous Oui. permettez que votre interview soit publiée sur YouTube et Absolument. sur le groupe, dans le groupe de Aucun Festival problème, avec plaisir. International? Avec grand plaisir. Et j'en suis très, très honorée aussi. Et je vous en remercie. Merci pour votre confiance Voilà, aussi. j'ai aussi un petit plaisir à vous demander. Quand je vais vous envoyer le lien de YouTube, Oui. partagez-le, Bien envoyez-le sûr. aux Bien évidemment. personnes, naturellement si vous le voulez, hein, Bien aux évidemment. artistes de la danse, aux jeunes danseurs, à vos élèves, pour qu'ils vous entendent, pour qu'ils puissent écouter, pour partager vos expériences. Peut-être vous pouvez être une source pour quelques jeunes danseurs de dire, ah, cette dame m'a inspiré aujourd'hui, j'ai envie de faire comme elle a fait. Donc, Avec ça peut développer un tas de choses chez les autres vous danseurs. avez raison. Hein? Vous avez raison. Voilà. Avec plaisir, je le ferai avec plaisir. Alors, mesdames et messieurs, je vous remercie pour avoir participé aussi et avoir écouté toute cette expérience de Madame Floriane, Mademoiselle Floriane Blitz, et qui était vraiment extraordinaire. Et Madame Floriane, je vous remercie parce que c'était un honneur de vous avoir aujourd'hui. Moi, je me rappelle Merci que pour je vous l'écoute de avais. vos abonnés et merci vraiment, Je merci pour votre part. me rappelle qu'il y a quelques mois, je vous avais parlé de l'interview. Vous m'aviez dit, oui, vous devez attendre un petit peu parce que je n'ai pas le temps. Et puis, je savais que vous aviez aussi passé des problèmes en famille. Oui. Et alors, un beau jour, Floriane.
m'envoie un message, un texto, et me dit, voilà, je ne vous ai pas oublié, je suis prêt à faire l'interview. Et pour moi, ça a été, oh, mais ça, c'est le plus beau cadeau de l'année 2024. Oh là là, mon Dieu, merci. Voilà. Merci beaucoup, vraiment. Merci à vous, madame. Et au plaisir vraiment de vous rencontrer, vraiment. Le plaisir est tout à moi. Et j'enverrai le lien à Marguerite Torini. Oui, Oui, parce d'accord. qu'elle sera ravie de vous entendre. D'accord. Hein? Très Alors, bien. je termine en anglais. Oui. Ladies and gentlemen of Ballet International, I wish to thank you with all my heart for listening and watching this wonderful and extraordinary interview that Mrs. Floriane Blitz, who is working and teaching in France, has been describing her great experience over the past decades with Béjart, with Mrs. Bessy, and with the greatest and the greatest artist that she has working with in her career. Thank you very much. Merci, Madame Floriane Blitz. Merci, merci, merci beaucoup. Vous restez en ligne un instant? Oui. Alors.